FIM FM. Mirador, c'est Barban. Les antivaleurs sous les fourches codines de nos chroniqueurs. Bah c'est cool, Emmanuel, on s'intéresse à ce rétro-pédalage d'hier. Je le disais dans cette émission, un temps annoncé libre après avoir bénéficié d'une liberté conditionnelle à eux accordée par le juge, l'ex-ministre du budget Ismaël Diabaté et l'ex-DAF Fola Mansaré ont été retournés en prison sur demande express à temps appris du procureur Ali Touré. Oui, il y a quand même beaucoup d'informations qui circulent sur ce dossier. Mais quand même, moi j'ai envie d'abord de saluer la démarche de la justice qui est allée jusqu'à ouvrir ce flanc de mise en liberté conditionnelle des sieurs Ismaël, de M. Ismaël Diabaté et de Mme Fola Mansaré. C'est quand même salutaire parce qu'au temps d'Alpha Condé, il ne fallait pas du tout s'imaginer que quand on est à la. Je suis d'accord. On bénéficie d'une liberté conditionnelle. Ouais. Mais, oui, parce que sous Alpha Condé, mais lorsque vous entrez à la maison, la maison centrale, mais c'était, jamais, c'était sans mansuétude, franchement. Non, vous ne sortez jamais avant un coup d'État. On l'a vu. Ouh là là. Non, mais tous ceux qui sont entrés sous Alpha Condé, en tout cas Alpha Condé très en colère qu'on a connu, ils sont sortis qu'après le coup d'État. Non, il y a eu des sorties. Colonel. Non, mais les gars, étaient sorti avant le coup d'État. Ouais, mais franchement. Ouais, voilà. mais on sait ce qui a été dit. Voilà. Oui, mais bien sûr. Non, mais quand on sait ce qui a été dit. C'est quelqu'un qui veut sortir totalement libre. Pas libre entre griffes ou liberté conditionnelle. Mais Gawal même, pour obtenir une mise en liberté conditionnelle, mais il a fallu batailler dur, il a fallu ferrailler dur. Et puis au-delà de ce qui a été rendu public, on sait qu'il y a eu des rumeurs de négociations entre eux. On sait qu'il y avait des choses. Et c'était d'ailleurs, comme il le dit, c'est quand même à saluer, même si ça n'a pas abouti. Manu, mais il y a quand même, moi j'ai appris très tard dans la nuit, très tard hier en tout cas, que finalement ça semble ne pas être un refus de les mettre en liberté. Il y a déjà le fait qu'il semble, on a demandé à M. Ismaël Diabaté notamment de payer une caution de 5 milliards. De francs guinéens. Et des titres fonciers. Soit il dépose les 5 milliards au trésor public, soit il met en hypothèque un bien qui en a la valeur. Et puis, la deuxième chose, c'est que le procureur, semble-t-il, n'a pas pu se rendre sur place pour signer la décision et qu'il a demandé à ce que ça soit reporté. Que ça soit reporté à lundi. Ouais. C'est ce que j'ai appris. Il semble que c'est reporté. Le procureur a dit qu'il viendrait lundi signer le document. Donc finalement, peut-être que ce n'est pas forcément un refus de les mettre en liberté. Ouais. Il y a des questions quand même procédurales. C'est un dossier qui est costaud, c'est un dossier qui porte sur ce 20 millions de dollars. Ça fait quand même, je pense, deux ou trois fois Qualita. Ouais. C'est important que la démarche soit assez rigoureuse pour qu'ils puissent bénéficier de la liberté. Mais la démarche elle-même, elle est à saluer. Tant qu'on est sûr qu'ils peuvent jouir de leur liberté sans que cela n'empiète la procédure judiciaire qui est en cours, c'est à saluer, c'est humanisant, c'est une justice humaine. Un visage humain, un visage humain plutôt. C'est celle que l'on veut finalement pour ce pays. Bien dit. Allez-y, Moussa Ibun, comptez. Donc, par rapport à. Je n'aime pas commenter un dossier qui est en cours d'instruction, mais je voudrais franchement saluer, si ce que vous dites c'est ça la réalité, je voudrais saluer la démarche du parquet qui est dans son rôle, il faut le rappeler ici. Mais je voudrais aussi dire ceci. Et pour ce qui concerne le secret du cabinet d'instruction, je crois que c'est le juge qui est le seul habilité à dévoiler. C'est lui qui sait pourquoi il place tel sous le contrôle judiciaire, pourquoi il place tel sous le mandat de dépôt. Et pourquoi il accordait une liberté conditionnelle à tel ou tel autre. Je dis une fois encore, moi j'attends le procureur n'a pas à s'en mêler. Voilà, il n'est pas. Moi j'entends, parce qu'il y a une indépendance entre les magistrats assis et les magistrats debout. Les magistrats debout relèvent carrément du ministre de la Justice. Ils n'ont pas d'intention à recevoir du juge audiencier des magistrats assis. Donc moi j'attends qu'il y ait un communiqué venant du parquet de monsieur le procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et financières. À partir de là, je crois que je veux. Il n'y a pas eu de communication là-dessus, c'est quand même dommage. C'est dommage et c'est même révoltant de voir, honnêtement, parce que si imaginez un temps soit peu que vous soyez fils, en tout cas parent de ces personnes-là, je pense que c'est comme si dans ce pays, et surtout à la gouvernance actuelle, on agit et on réfléchit.
on a parlé des passeports, on est en train de voir des personnes emprisonnées d'abord contre lesquelles on annonce des montants mais faramineux. Ouais. Et Lincoln nous disait, nous parlait de Bill Gates. Du cas de Bill Gates. On a probablement pas les infos précises. Ouais. Mais imaginez quand même qu'on vous accuse, vous Abakar, d'avoir fait ci et ça. Ouais. Et après on se rend compte que vous n'êtes coupable de rien. Ouais, moi je trouve quand même que... Parce qu'il y a quand même il y a beaucoup c'est de la débats, privation de liberté qui doit être l'exception. Ouais. Et surtout, on doit se méfier d'accuser. Parce qu'il y a beaucoup de débats sur la méthode de la CRIEF. Apparemment, dès que vous venez, on vous présente les faits sans entrer dans les détails. Allez, direction, la maison. Non, c'est centrale. Pas le cas. Hein, non, non, c'est mais j'ai dit, apparemment, voilà. C'est quoi la méthode alors? Comment ça se passe? Peut-être que vous êtes conseiller de la CRIEF. Non, pas conseiller, mais je suis journaliste investigateur. Bien, qui a probablement des connexions. Non, pas forcément. Mais apparemment des connexions à l'extérieur. Tout ce que je sais. On sait des choses, Oliko. On sait des choses, monsieur. Non, pas du tout. Tout ce que je sais, à la CRIEF, quand vous venez, vous avez tout le temps. En ce qui concerne l'interrogatoire, le débat. Et je vous dis que la composition de la CRIEF, au début, vous savez que j'étais opposé à certaines nominations. Mais avec le temps, les informations que nous prenons, les gens travaillent de façon sereine. La Cour a un président et un procureur qui ne sont pas influençables. Donc, souvent, ils ont. Non, je sais de quoi je dis. Non, franchement, j'ai l'impression d'entendre l'avocat de la CRIEF. Non, pas l'avocat, mais la méthode utilisée pour le moment. Oui, mais... Si les uns et les autres sont en prison, tu nous fais croire que tout est rose, au vrai, tout marche bien. Non, mais quand même. Non, mais si les autres et les autres, le procureur. Oui. Un peu de détachement, avec le sujet, s'il vous plaît. Non, parce qu'un jour ou l'autre, vous allez être amené devant le contraire. Faites attention, monsieur. N'applaudis pas aussi vite. Vous êtes en train de donner un blanc-seing total à la CRIEF. Pas du non, mais attention, mais on voit qu'il y a quand même un tâtonnement là. Non. Mais à un moment, on vous jette en prison, après on revient en liberté conditionnelle. Il y a ceci et cela quand même. Ça, c'est pas avec la CRIEF. Non, mais c'est si, on parle de la CRIEF, bien entendu. Il y a des choses sur lesquelles on peut avoir des réserves sur la façon de faire de la CRIEF. Attention, tout n'est pas rose, monsieur. Tout n'est pas rose. C'est le droit, en tout cas, des prévenus ou des avocats de demander ce qu'on appelle la liberté provisoire. Mais cela aussi se fait avec une bonne démarche judiciaire. Les juges d'instruction savent pourquoi ils envoient les gens en prison, pourquoi ils libèrent d'autres. Parce que moi, j'ai appris des situations. Mais qu'est-ce que le procureur avait à voir dans la procédure d'hier? Non, le procureur va s'expliquer. Pour le moment, j'ai pas d'éléments de preuve par rapport à ça. C'est le poursuivant. On va l'interroger. Mais c'est quand même, c'est le poursuivant. Ouais. Et il a de quoi. En tout cas, il a de quoi les maintenir sur place. Les maintenir sur place. De 200 milliards. Mais effectivement, c'est lui qui les maintient. Non, c'est pas 200 milliards, 131 milliards. L'affaire est quand même. Plus de 131 milliards. Non, mais on parle de la Gate. Ça fait combien de kilomètres de route? Ça nous fait qu'on a créé Kindia. Mais moi, je demande quand même. Quand on parle de le kilomètre, il faut pas qu'on tombe aussi. Le kilomètre est 1,5 milliard. Non, il faut pas qu'on tombe. Non, ça peut ne pas être cela. Ça aurait pu permettre à Telmele d'avoir sa première route. Oui, je suis entièrement d'accord. Il faut pas qu'on tombe également. Kindia Telmele, c'est combien de kilomètres? C'est 135. Mais ça pouvait bitumer Kindia. Surtout que maintenant, on passe par Kaleta. C'est moins de. Mais voilà. C'est moins de 130 kilomètres. Ouh là là. Moi, je ne c'est un peu plus court et normalement, vous savez, vous parlez de ce sujet, vous savez qu'on est venu détruire notre environnement, l'environnement de Télimélé, nous refuser l'électricité et nous refuser de tout ce qui aurait pu être le projet. Regardez le goudron qu'on a mis du côté de Dubreka, mais rien, absolument rien. Du côté de Télimel, alors mais si, on va vous faire 10 km non, là, mais, qui ont été faits par j'ai dit qu'il y a Guy Compresse. Vous y êtes allé quand? Non, non, je suis jamais allé. Mais je suis jamais venu à Télimel. J'aimerais bien y aller, franchement. Mais justement, une très belle ville. On m'a dit, une très belle ville, et puis l'unique préfecture Carrefour, parce qu'on parle de Mamou, mais c'est pas du tout comparable. Ah bon? Oui, si vous voyez la zone. Là, on va s'arrêter deux minutes pour entendre le préfet de Télémélé, bien sûr. Voilà, si vous tenez compte des zones qui nous entourent et l'exploitation sauvage de
des mines dans, dans la zone de Télimélé. Je pense que vous suivez. Parce que c'est une grande zone agricole également. Absolument. Ouais. Et malheureusement, qui n'a pratiquement rien. Qui est complètement enclavé. Parce que Lincoln le disait une fois, et on le salue, toute la préfecture le salue pour ça, qui ne bénéficie aucune promotion de ces cadres. Et donc, il n'y a personne pour porter la voix, malheureusement. Peut-être on aurait pu nommer nous quelque part. Non, pas forcément nous. Il y a des centaines de cadres. Mais je vois souvent, quand il va en vacances, il met des postes et tout ça, il adore ça, on ne peut que ça, malheureusement. Avocat, je voulais juste placer un mot. On ne peut pas vouloir d'une chose et son contraire. Toute la Guinée a crié à l'impunité sous Alpha, la corruption, la gabégie. On a dénoncé. Il y a la CRIEF aujourd'hui en place. Il y a des individus plus riches que l'État. Pendant ce temps, il y a tous les problèmes liés, en tout cas, à la vie des Guinéens. Mais pourquoi on veut placer le sentiment dans la justice? Écoutez, je n'ai pas la pierre à la place du cœur. Si nous voulons changer, le changement a ses conséquences. Il faut assumer. Hier, des gens détournaient, on ne disait rien. Aujourd'hui, on les prend. Ne criez encore, il faut les lâcher. On n'a pas dit de les lâcher quand même. Je vais vous dire, si tu permets, avant toi, Emmanuel. Mais on se pose des questions sur ce qui s'est passé hier. C'est aussi simple que cela. Je sais que le premier. Allez-y, Emmanuel. Après, ce sera toi, s'il te plaît. On peut faire la justice sans forcément la déshumaniser. Vous avez vu cette dame, madame Evelyne? C'est de ça qu'il s'agit, Lincoln. Ça, c'est vraiment l'intention de Lincoln. Mais Lincoln, il pense qu'il faut tout le monde, faut jeter tout le monde dans le trou noir et puis après, les y laisser jusqu'au procès quand même. C'est quand même vilain comme image qu'on voit une nourrice arriver en prison. Quand même, il s'agit d'une nourrice. Alors qu'elle peut répondre à la justice en restant chez elle, en s'occupant de son bébé. Ce bébé n'a rien à voir avec ce détournement. Mais il est obligé d'être en prison avec sa maman. C'est cela aussi la procédure. C'est à ça que ça a conduit finalement. Je pense que Mme Evelyne aurait pu rester à la maison et répondre de cette procédure sans que ça n'ait pu empiéter sur la marche de la justice. Si elle a des comptes à rendre, elle va rendre des comptes. Mais dans son état, je crois que ça a été quand même assez dur. Et c'est là où je parle, je reviens sur le rétro-pédalage permanent dans lequel nous sommes, où on prend, quelqu'un l'a dit ici, on prend la décision et ensuite on refuse. Et on revient. Je crois qu'avoir cette dame, même le procureur aurait déjà plaidé pour qu'on la garde à la maison et qu'elle suive la procédure. Sauf si on a une paire à la place du cœur, comme c'est le cas de Lincoln. Non, pas du tout. Ismaël Dubaté, on peut comprendre, il était dans tout son confort. Et il a peut-être son état de santé en prison, c'est peut-être démontré moins serein qu'il ne l'était quand il était dehors. Ça, c'est un cas. Mais Mme Evelyne, on savait que c'était une nourrice. On l'a envoyée en prison avec son bébé. Malgré que l'avocat, son avocat ne l'ait pas signifié quand même. C'est dommage. C'est cette démarche qu'il faut arrêter. Personne n'est contre la justice. Mais faisons aussi en sorte que la justice ne déshumanise pas l'être humain. Permettez, je viens d'apprendre d'une source très sûre. Très sûre. Ces dames et messieurs n'ont pas été entendus sur le fond. Même s'ils sont en justice. Pour le moment, on ne va pas les entendre sur le fond. Décision prise par la chambre de contrôle de l'instruction. Donc, pour le moment, c'est ce qui est différent de la chambre de l'instruction qui les a placés sous mandat au niveau de la maison centrale. Donc, pour l'heure, il y a encore une petite procédure à respecter avant quelconque liberté provisoire ou conditionnelle. Mon petit doigt me dit qu'il a vraiment des connexions. Ça risque de se faire de toi l'avocat de la CRIEF. Vous savez, tout le peuple de Guinée vend debout contre les présumés détournements de fonds qui ont fait que dans ce pays, on n'a pas eu de meilleures infrastructures routières, on n'a pas eu d'hôpitaux, on n'a pas eu d'école. Attendez, s'il vous plaît. Les gens. Non. Ne parlez pas à ma place, s'il vous plaît. Même si c'est un peu de ça, vous comprenez à cause de ça, parce que tout simplement. Non, vous ne me connaissez pas. Je connais sur ce plan. Mais des cadres, parce que tout simplement, des cadres ont piqué, ont pris l'argent de ce pays
et on en fait vraiment leur bien personnel au lieu d'utiliser ça comme on appelle à ils ont ramassé, ils n'ont pas piqué parce que tout ce donc le travail de la CRIEF, on ne peut pas rejeter. C'est vrai que ce sont des juges assez responsables. Et je vois ici Mohamed Bangoura qui est aussi a des connexions à la CRIEF. Attendez, j'en viens. Le procureur Ali Touré était un magistrat assermenté. Non, mais c'est clair. S'il décide d'inculper et de placer sous mandat de dépôt, un prévenu sait qu'il a suffisamment d'éléments contre la personne. Non, mais c'est que je vais vous dire. Mais je crois un peu les connexions. Mais c'est que je vais vous dire. Mais attendez, il y a tout un réseau de journalistes. Non, attendez. Voilà, autour de Ali Touré. Mais après, je vous assure. Un réseau qui s'est constitué autour de ce procureur. Mais laissez-moi parler. Mais ce que je vais vous dire, permets-moi juste une parenthèse. Moi, je voudrais quand même, honnêtement, saluer ce procureur que je ne connais ni de la personne, je ne connais pas du tout. Mais que j'ai du mal à critiquer même dans ma rédaction. Parce qu'effectivement, il est connecté. Il est. Je vous assure. Lui, soit d'autres. Mais justement. Sont en contact avec les gens. Mais bien sûr, mais en contact avec la salutaire. Parce que cette pédagogie. C'est important d'expliquer aux journalistes. Sauf que dans un autre sens, on peut comprendre cela comme de la manipulation quelque part. Mais il appartient aux journalistes. Parce qu'au fur et à mesure, ça peut influer sur le cours des... Mais Abakar, je vous assure. Il appartient aux journalistes. En pleine émission, mais tu ne me laisses pas aller au bout de mes idées. Il appartient aux journalistes. Je ne sais pas pourquoi tu ne peux pas me laisser aller au bout de mes idées. Il appartient aux journalistes et aux rédactions d'être suffisamment blindés pour ne pas se faire manipuler. Ça sent un peu de la manipulation. Pour terminer, ce que je vais te dire, c'est que j'ai eu accès à des informations concernant le travail, par exemple, qui est fait par la CRIEF. Vous savez, c'est l'agent judiciaire qui envoie des dossiers. Il y a le dossier, par exemple, du projet Stop Palu. Vous savez, on avait parlé d'un présumé détournement parce que des fonds, par exemple, n'ont pas été bien utilisés. Et qu'en réalité... Ils ont stoppé autre chose que le... Voilà, mais ce qui s'est passé, c'est que quand l'agent judiciaire envoie le dossier... Tellement méchant, quand l'agent judiciaire envoie le dossier... Le procureur de la CRIEF s'est rendu compte en réalité qu'il n'y a pas eu de détournement. Donc il y a beaucoup de dossiers comme ça qui ont été classés parce que tout simplement il s'est rendu. L'affaire Stop Palu, l'affaire Stop Palu, le dossier stoppé. Je crois bien de la Mamri et comme beaucoup de la Mamri aussi stoppé. Oui, c'est qu'il y a beaucoup de dossiers comme ça. On s'est rendu compte que dans le niveau, c'est à ce niveau qu'il faut s'inquiéter pour des manipulations. En fait, on s'est rendu compte. Il y a beaucoup de connexions. Aujourd'hui, en fait, c'est qui est évident, Bocca, ce que je vais vous dire. Lorsqu'on se rendra compte que le procureur de la CRIEF est en train de travailler, qu'il y a des affaires, qu'il y a de la vice de forme dans le travail qui est en train d'être fait, eh bien on va le dénoncer. Mais pour le moment, on ne peut pas demander. Tout est parfait. Non, je n'ai pas dit que tout est parfait. Mais on ne peut pas demander qu'on rembourse l'argent qui a été volé, détourné et qu'en même temps, qu'on porte. Qu'on tire à boulet rouge, notamment sur le travail qui est fait au départ. Non, mais si. Bien. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il faut saluer le travail qui est fait. Bien. Parce qu'on a dit qu'il faut éviter. Parce que tout est parfait. Qu'il faut éviter la chasse aux sorcières. Ouais. Mais il faut qu'on dise clairement. Ouais. Qu'on fasse la situation par rapport aux présumés de tournement de fonds qui ont eu lieu dans ce pays-là. Merci. Si les sorcières mangent les enfants des autres, on va les chasser. Merci. Bien, allez-y, cabinet pro, en terminé. Non, je pense que si le procureur peut passer par des journalistes pour les informer un peu de ce qu'il fait, c'est tout bénef. Et je crois que si avant on ne savait pas spécifiquement comment les dossiers judiciaires se faisaient, la CRIEF étant sous une forme d'hypermédiatisation, je crois qu'il y a une nécessité pour le procureur d'expliquer un peu ce qui s'y passe, parce que ceci se rattache à une question assez sensible. On parle là de crimes économiques et de répression. Donc, et je crois que c'est bien que le procureur essaie d'expliquer effectivement comment se passe son travail. Moi, je pense même qu'il serait important pour la CRIEF d'avoir, si cela n'est pas le cas, une cellule de communication, parce que tous les dossiers qui passeront seront scrutés par les médias. Et c'est important donc que cela soit su. Donc je ne trouve pas de problème à ce que la CRIEF puisse passer par des journalistes pour leur dire voilà comment on fait le travail. Et je pense aussi que monsieur le procureur spécial près de la cour de la CRIEF fait suffisamment bien son travail. Pour le moment, on ne lui reproche pas grand chose. Ce qu'on demande, c'est que cette dame-là, qui est dans une condition assez exceptionnelle, appartient à la justice de se donner les moyens de faire en sorte que cette dame-là soit dans des conditions, peut-être des conditions de détention qui lui permettent d'être avec son enfant, mais pas dans les conditions carcérales qu'on connaît de la sûreté de Corentie. On est en train de refaire.
Oui, tu l'étais en train de faire peau neuve, c'est ce qu'on va faire. Ce travail-là appartient à la justice. Bien. Ailleurs, on sait par exemple que des gens peuvent rester dans des résidences surveillées, mais ce sont les conditions que l'on crée. Donc, à la justice de créer les conditions, que, par exemple, que cette dame puisse rester avec son bébé. Enfant, son bébé qui est quand même malade. Bien. Voici ce qu'on pouvait dire donc sur cette actu, ce retropédalage de la machine judiciaire hier dans le dossier Nabagate. Un temps annoncé libre, l'ancien ministre Ismaël Diabaté et l'ex-DAF Fola Massaré ont été tout simplement retournés en prison. On va essayer de suivre ce dossier de près lundi dans cette émission. On continue.